Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'outil Tripagen Pro qui permet de créer un contrat de complémentaire santé compatible avec plusieurs conventions collectives. Donc, le Tripagen Pro il est accessible dans l'univers Tripagen Pro. En cliquant sur l'outil, on arrive sur une page d'accueil qui nous explique comment fonctionne l'outil. Et en cliquant sur le nom Tripagen Pro, on arrive sur la page de l'outil. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette page? On a à gauche une colonne qui nous propose une série de filtres qui nous permettent d'affiner notre recherche d'accords santé dans les conventions collectives. Et à droite, on a l'intégralité des accords santé qui sont dans la base de données Tripalio et à partir desquels on va pouvoir créer des accords multi-CCN. Donc à gauche, on voit qu'on peut filtrer en fonction de l'organisme recommandé, en fonction du montant de la cotisation, de la structure de cotisation, en fonction des montants de remboursement par catégorie de prise en charge. C'est très très précis et ça nous permet de chercher vraiment les conventions collectives que l'on souhaite. Mais si on a une idée précise de convention collective, on peut par exemple taper son IDCC directement ici et ça nous la fait remonter. Comment faire pour faire une comparaison et créer un contrat multi-CCN? Eh bien, il suffit de cocher la petite case en haut à droite d'une convention collective qui nous intéresserait. Par exemple, je voudrais créer un contrat de complémentaire santé compatible avec la CCN des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif. Je voudrais aussi un contrat qui soit compatible avec l'industrie du bois, avec l'industrie pharmaceutique et pourquoi pas avec l'industrie de l'habillement. C'est tout à fait imaginatif, mais c'est pour les besoins de l'exemple. Et donc là, en remontant, je clique sur « Proposer un contrat compatible » et ça va se servir des données issues de ces trois conventions collectives pour proposer un contrat qui soit structuré autour des remboursements minimums proposés par chaque accord santé. Et donc à partir de là, ça nous permet d'avoir le calcul d'un nombre d'entreprises potentielles pour ce contrat, un nombre de salariés également, la cotisation maximale qui sera autorisée, et ensuite le détail, ligne par ligne, selon la nomenclature Tripalio, de ce qu'il sera possible de rembourser au minimum. Donc ça suit le même ordre que d'habitude sur Tripalio, les habitués ne seront pas perdus. On a d'abord les frais médicaux, les actes médicaux, la pharmacie, l'optique, et on voit le dentaire, l'appareillage, l'hospitalisation, et ainsi de suite, jusqu'à la fin avec les dispenses d'adhésion possibles. Et donc, on a plusieurs options. On peut télécharger le contrat généré à partir de ces trois conventions collectives au format Excel. On peut l'importer dans l'outil Triparator pour voir s'il est compatible avec d'autres conventions collectives. On peut aussi créer un nouveau contrat. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi accéder au Tripageo pour localiser les entreprises des différentes conventions collectives sélectionnées. Et on peut choisir de renommer son contrat si on a oublié de lui donner un nom. Voilà, vous savez utiliser le Tripagen Pro maintenant.